Nickel. Donc, moi, il va falloir que je me fasse ça pour avoir le retour de l'image. Que je vous le dise dans le chat. Ouais, je peux laisser ça en arrière-plan, c'est pas un souci. Wow, merci à vous toutes et toutes d'être aussi nombreux. Wow. Alors, je sais que je tourne dans mes meilleures heures à la dizaine de spectateurs, mais là, 14, waouh, merci à vous. Je suis ravi que mon contenu puisse vous divertir. Et là, vache, vous me répondez dans le chat, mais t'es le seul qui diffuse de ma liste de chaînes suivies. Je peux le croire aussi, concours de circonstances heureux. Allez, zou. Ah, que je vous réponde dans le chat. Alors, attendez, je suis parti de Miami. Oui, j'avais fait la pub de C4 TS Family, ouais. Donc voilà, vous êtes à 3 en famille sur le même canal et vous allez reprendre l'année qui arrive. Ça, c'est cool. Oui, il faudrait que je te suive aussi, tiens. Oui, bonne idée. Attends, je vais le faire tout de suite le temps de l'intro du jeu. Très très bonne idée. Attends, comment j'ouvre ton canal? Ah bah suivre, je fais comme ça. Nickel, c'est incorporé. Nickel. Ouais, ça donne l'impression d'être un dimanche, hein. Mais c'est ça, c'est la magie des fêtes, FanFan. La dernière semaine de décembre, t'es hors du temps, trêve des confiseurs, tes soucis, tu t'en débarrasses. Le temps s'arrête pendant une semaine et... Et 100% plaisir. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Alors, je remets le chat. Donc c'est bien, j'arrive à suivre C4 TS Family. Oula, j'ai trop de fenêtres. Ah, il faut que j'annonce... Merde, attendez, ça va pas. Faut que j'annonce que c'est la PS3. Ah, attendez. Parce que là, j'indique PC, mais c'est pas juste. Il faut que je mette PS3 sur mon interface. J'y pense jamais à changer la console de support. Bonjour le coyote, j'espère que tu vas bien. Bonjour cousin, merci, yop yop. Alors, attendez que je vous relise dans le chat. Bah tiens, on va charger la partie en attendant. En profiter pour recharger. Voilà. La partie, appuyer sur start parce que le chargement prend son temps aussi. Ah merde, j'ai la rallonge du câble audio qui est en train de se trimballer dans le vide, c'est pas bien. Oui, non, c'est pas grave. J'adore me prendre une dose de nostalgie. Oui, apparemment, il y a des jeux que je fais qui te rappellent des souvenirs. Ah, mais c'est bien. Ah oui, bon après-midi, Poupon, bisous. Bon, il est déjà parti, je dis ça, je parle dans le vide. Chaque fois que je vois Nico, Ah oui, rétro, Desert Strike. Oui, je comprends, je m'étais frotté un peu, il est pas évident le jeu. Mais ouais. Un grand classique. Ouais, Planet Crafter. Alors, Planet Crafter, j'ai arrêté d'y jouer parce que le jeu est en cours de développement, j'ai adoré. Mais je le redécouvrirai quand il sera en version 1 officielle. Sûrement d'ici 2 ans. Sûrement d'ici 2 ans. Je vous lis. Ah, ça va un peu mieux le coyote. Ah merde, t'étais malade. Chat explosif. Oui. Bonjour le baron. Ah oui. Cats. Ah oui, passer 4. Ah d'accord. Ok, il faut lire Cats. Tu fais bien de préciser. Dac. Oui, moi je pensais à l'explosif militaire. Je suis désolé. Eh surmontez vos peurs pour survivre. Ouais, bah je vais me faire dessus. Là, je suis arrivé à l'arrière du manoir et je flippe. Oh là, elle fait la danse d'Hélène, là, quoi. Ah, le bateau. Mon Dieu, il va occuper mon écran. Oui, couché à l'angle. S'il te plaît, le bateau. Mais il est beau. C'était Aria, hein, la demoiselle qui t'avait fait les émoticônes, fan. Là, de Krusty Moelleux. Elle avait vachement bien bossé. Hein. Eh oui, la belle Julia Vault, qui incarne le perso. Ah non, j'ai pas chargé la bonne sauvegarde. J'ai pas chargé la bonne sauvegarde, je suis un idiot.
Je n'ai pas chargé la bonne sauvegarde. J'ai plus de masse mortuaire. Le boss zombie, je l'ai trucidé. J'ai n'importe quoi, moi. Je suis allé en bas de liste en me disant que c'est la plus récente, mais pas du tout. Je suis revenu en haut de la liste. Oui, 10, c'est celui-là, à l'entrepôt, au pavillon ouest. Ah oui, là, on va voir que j'ai passé une bonne étape de... J'ai vraiment l'impression d'être habillé en Jamiroquai aujourd'hui. C'est comme... Il a chanté quoi, Jamiroquai? Virtual Insanity? Je sais plus quoi. Bon, allez, soyons sérieux, parce que ce jeu est dangereux. Je vais prendre le flingue de base. Et je vais serrer les fesses. Vraiment. Resident Evil PS3. C'est bien. Mon interface s'est mise à jour. Ah! Je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Ouais, je vais prendre un spray avec moi. Je vais prendre un spray avec moi, on sait jamais. Ouh! Oh, le stress. Je sais pas s'il y aura des zombies, j'aurais peut-être dû me débarrasser de la fiole de... Message de Torota 77. Jamiroquai a chanté Deeper Underground BO de Godzilla. Oh, je sais même plus. Ah oui, I'm going deeper underground. Oui, c'est vrai. I'm going deeper underground. C'est vrai, ça me rappelle vaguement la musique. Merci pour l'info culturelle, Torota. Bien joué. C'est apprécié. Et là, on demande à Wisebot, chante-nous du Jamiroquai. Et là, en voix de synthèse, il prend la voix de Macron. Et oh, ce serait horrible. Ah, la voix de Macron qui chante à couplet d'une chanson de Jamiroquai. Oh, je deviens fou. C'est trop de mélange à la fois. C'est trop multiculturel. Elle va sans doute casser... Ouvrir tout de même. Non, bah non, on va pas péter, là. Je peux passer par un autre endroit. Courage, fouillon. Fouillon. Je sais même plus par où je vais aller, moi. Je suis perdu, poil haut. Alors, désolé, je ne peux pas chanter pour le moment, mais je peux te donner les paroles si tu veux. Oh, merde. Oh, bah, merde, alors. Là, c'était le truc du serpent. Attends. Je me souviens plus. Il y a une pièce. Je sais qu'il y a une pièce, mais je sais plus à quoi elle correspond. Faut que je me rafraîchisse la mémoire. Ah ! Merde ! Je ne pensais plus qu'il y avait un zombie là, moi. Bah, je démarre très mal. Mais attendez, je suis en reconnaissance. Oui, là, il y a quoi? C'est quoi la pièce? Je m'en souviens plus. Je me souviens plus du tout de la pièce. Mémoire effacée. Ah oui! Oui. C'est une table de... Ouais, tu peux picoler tout ce que tu veux. Oui, il n'y a plus de zombies. Il y avait, je sais plus, il y avait un truc précieux dedans. Dakodak, ok. Bon, je me suis fait croquer pour rien, mais c'est pas grave, je repars en reconnaissance. Tant pis si elle meurt, je referai un truc propre. Une partition, merci le coyote. Oh, c'est fou, vous connaissez le jeu par cœur. Torota aussi, je sais qu'il est... J'admire votre mémoire pour le vidéoludique. Oui, la page au central qui manquait, exact, dans la partition de... Oh mon dieu. Ah! Mais j'ai des balles en mousse ou Medum. Putain, mais il m'a bouffé 10 balles l'autostick là. Allez, recharge. Vas-y, attention, barre-toi ma pauvre Jai. Au moins il te répond poétiquement, Wisebot, au coup de la carte mère là. Dans les chats.
même plus par où je dois passer, moi. Oh! Ma mémoire a été sinistrement effacée. C'est un scandale. Ah, ce jeu de lumière avec l'orage me fait flipper. C'est trop bien fait. Mais non, je vais prendre le couloir où il y a 4 zombies là par les fenêtres. Non, c'est pas un bon choix que je fais là. Non, mais je suis fou. Non, demi-tour toute. C'est débile mon choix. Non, mauvais choix. Faut pas que j'y retourne. J'ai pas encore la clé, je crois, du casque. Ouais. Ce sera pour plus tard. Ah bah merde alors. Attends, je vais retourner à l'arrière du manoir. Non, il fallait que je reste en haut en fait. Non? Oh, je suis mauvais. Non, attends, je vais à l'opposé. Attendez. Cette vue va m'aider. Parce que je me souviens un peu de la carte. Oh là, c'est magnifique. L'ambiance, elle est terrifiante. Ah, je sais. Passer par le jardin et le truc au corbeau. Mais oui. Tu dois sortir par la porte que tu as déverrouillée avec le blason. Message de Torota 77. Tu dois sortir par la porte dans laquelle tu as déverrouillé avec le blason. Avec une voix sensuelle comme celle-ci, ça fait envie. Je te rejoins à la porte du blason. Ah là là. Bon, je rappelle que mes voix de synthèse sont aléatoires. Ça peut être d'un délire ou totalement décalé. C'est du grand n'importe quoi. C'est ça, le coyote. Oula, doucement, il y a les corbeaux. Comment ça, gris? Qui a fait une fan? Ah, vous avez peut-être abusé de la commande message vocal. Attends un peu, peut-être, Funfan. Ah merde. Oh merde, lui il va se réveiller en zombie de la mort là. Oh, la poisse. J'ai plus de kérosène, je peux plus les flamber. C'est joli. Oui, alors là, c'est la flip. Je connais pas du tout l'endroit. Ça, c'est tout nouveau, ça, par contre. Message de Funfan 1992. Ici Wizbot pour Totora. Je suis content que tu t'entraînes pour guider Funfan 1992. Ah ouais, non mais la voix. Ah, cette énigme que j'ai pas captée encore. Je sens que je vais la faire au pifomètre. Alors, lorsque les souhaits du Cerbère seront... Les souhaits du Cerbère, c'est même pas un Cerbère, c'est... Non, c'est pas deux Cerbères, c'en est un, c'est au singulier. La porte s'ouvrira lorsque les souhaits du Cerbère seront exaucés.
Mais il y en a deux. Alors c'est lequel qu'on honore? Yeux rouges. L'inscription dit le cri de guerre de la vengeance. Cri de guerre de la vengeance. Et les yeux bleus. L'inscription dit le dernier sursaut destructeur. Enfin, les derniers sursauts destructeurs. Le cri de la vengeance. Ouais. Il y a une combinaison à faire avec les girouettes. Mais alors, laquelle? Ouais, il reste en position sud. Ouais, non. Bah, au moins, j'ai déjà figé une girouette. Pa 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 la pa 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 la pa. Pa la pa pa la pa la la. Non. Sursaut de la... Oh, attends. Une énigme, va falloir que je la cogite, celle-là. Dernier sursaut. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Lui, c'est la girouette bleue. Dernier sursaut destructeur. Ça m'a l'air pas mal parce qu'il est tourné vers l'autre Cerbère, mais... sursaut destructeur envers qui? Ou alors, il faudra qu'il soit tourné vers le portail? Attendez, vous faites plein de trucs dans le chat, j'arrive pas à suivre. C'est l'histoire de Torota. Quoi? J'avais pas faim et je vais me faire mon miam à tout à l'heure. Ah, bon app, fun fan! Bon app! À tout à l'heure. C'est tout simple. On en fait quand tu l'as comprise. Oui, bah, laissez-moi le temps de la comprendre, s'il vous plaît. Les yeux rouges. Le cri de guerre de la vengeance. Le cri de guerre, mais il n'y a rien lié au son. J'étais tenté à les mettre en chien de faïence à se regarder en face à face, mais apparemment c'est pas ça. Attends, je vais essayer de les remettre en face à face, mais... Le baron se marre, évidemment. Peut-être qu'il faut que tu cries. Oh là là. Pitié. Voilà, elle tourne trop vite la girouette, stop. Merde, j'ai mis au nord, je voulais mettre à l'est ou à l'ouest. Non. Non. Bah oui, oui, attends, on va relancer. Voilà. Voilà, là les chiens, les cerbères se regardent. Non. Je vais tester la grille lorsque les cerbères se matent entre eux. Oh, ce chemin tortueux. Mon dieu, mon dieu. La porte s'ouvrira lorsque les souhaits du Cerbère. Ce qui m'énerve, c'est que c'est au singulier. Ce serait au pluriel. À croire qu'il n'y en a qu'un seul qui compte. Bon, déjà, il y a une asymétrie dans le sens qu'il y a le panneau indicateur sur la droite. Est-ce que ça rentre dans l'énigme? Peut-être. Le rouge dit le cri de guerre de la vengeance. Rouge dit cri de guerre. De toute façon, j'ai rien pour faire crier de son. Non, mais c'est non. Ne me dis pas qu'il faut que je tire. Attends. Et là, je vais avoir plein de merde qui vont sortir des bois et qui vont me tuer. C'est débile. J'ai des bidouches. Mon raisonnement est pas bon. Les derniers sursauts destructeurs.
Ou alors on les tourne vers le portail. Les deux vers le portail. Oh, c'est tellement étrange. Attends, je débarque fait de lui. Alors, c'est reparti. Girouette. Bah, à l'ouest, non? Non! J'ai remis en même position. Nope. Si tu veux. Allez, vas-y, est. Ça me va très bien. C'est cool. On va tester en position vers le portail. Mais tu te manques de moi, le coyote. Fini, oui. Je fais ce que je peux. Je tente des choses. Cette énigme me guaque l'esprit. Mais non! C'est toujours la même position. Ah, mais ça rend fou. Hein. Nope. Tout se tente. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que tout se tente. Ah! Nope. Tout se tente. Alors, ces cadenas. En fait, les grilles sont pas hautes sur le côté. Elles pourraient faire un effort et passer en par-dessus. Pour moi, après quel gros cerveau, oui, bien sûr. Ouais, mais c'est piégé. C'est vrai que les grilles sont pas très hautes, ouais. On dirait des. Ouais, mais c'est bon, c'est des en-pointes. Le truc est. N'ouvrez-moi! Tirez sur les cerbères. Je perds des balles pour rien, c'est ridicule. Dernier sursaut ravageur. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh. L'énigme va me rendre fou. Mais non, j'ai le don de remettre dans la position précédente à chaque fois. Ça me bouffe. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que ça peut pas être ça. Mais on va la tenter. C'est une nouvelle combinaison. Ah, je la tente au coup de bol. Hein. Je la tente au coup de bol. Bah, je pense que j'ai fait le portail avec les cerbères qui tournent le dos aux colonnes. Je crois. Hein. Merde. Ah. 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 Est-ce que le bleu et le rouge? Bah oui, le bleu et le rouge, c'est pour faire distinguo avec les girouettes. Les derniers sursauts destructeurs. Les derniers sursauts destructeurs. S'il fait un sursaut destructeur, est-ce qu'il vous, il est tourné vers le... Sauter par-dessus la passerelle? Ou ça peut être la passerelle là aussi? Et lui, c'était quoi? Quoi, on peut dire le sage est complètement à l'ouest. Oui, bravo Tota. Exactement. Le cri de guerre de la vengeance. Ah, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. Attendez.
Ça va trop vite. Donc, c'est plus le sage de Nancy, mais de Brest. Quoi? Oh, n'importe quoi. Et moi, je perds pas le nom pour dire des conneries. Moi, Dieu. Je sais plus ce que je lis. Oh, c'est terrible. Oui, c'est clair, cette énigme m'a déboussolé. Ah bah oui, alors. Ah. Donc, dernier sursaut destructeur, donc par-dessus la grille du truc qui protège. Et l'autre, c'est le hurlement de mort, mais il le fait sur l'autre Cerbère. Parce qu'il n'y a peut-être pas... On a vu que c'était tourné dans la même direction, ça marchait pas. Donc, je vais le faire en train de gueuler sur l'autre. Merde, c'est le contraire. Ah, merdoum. Merci. Et comme ça que je le veux. Voilà. Nain. Oui, il est tombé dans le panneau, oui. Le chat qui est de port disant des conneries. Non, mais c'est bien, on va vous amuser, mais bravo pour les jeux de mots, c'est bien. C'est pas ça. Ah! Bah merde alors. Cette énigme va me retourner le cerveau pour l'après-midi. Cri de guerre de la vengeance. Le cri de guerre de la vengeance. Dernier sursaut destructeur. Cri de guerre de la vengeance. Vengeance. Vengeance, c'est qu'il aurait déjà subi, donc... c'est trop bizarre. Je la piche pas, là. Merdoum. Oh, c'est quand même malheureux d'y aller au pifomètre. Merde, non, je voulais pas appuyer dessus, mais je fais n'importe quoi. Je fais n'importe nawak. Ouais, je vais le laisser comme ça. Non. Au pifomètre, allez, c'est la fête. Non, je pense pas que ce soit ça, je pars pessimiste. Attends, sursaut cri vengeur. Alors lui, c'est le cri de la vengeance, cri de guerre de la vengeance. Et lui, c'est dernier sursaut destructeur. Non, il est resté dans sa position à la noire. Attends, position sud, il fait quoi? Ah bah ben là, ça va être nord.
Oh, j'ai du bol. J'ai eu du bol. Vive le pifomètre. Après, si c'est Cerber qui pose problème, allons chercher Héraclès et ce sera réglé. Ah, il me dit attends. Ah ouais, ils se font la gueule. C'était le contraire de mon... Remonte. Ouais, c'était le contraire de mon... raisonnement. Il faut que les clébards se fassent la tronche. Oui, mais je remonte jusqu'où? Ah, stop! Merde. Trop tard, j'ai foncé comme une balle. Demi-tour, toute. La joie d'admirer les portes. Les portes du jeu. Oui, les quatre panneaux. Ça ressemble à un panneau indicateur. Chaque direction est accompagnée d'une destination. Ah, je l'avais pas lu. Merci, Torota. Ah, tu m'étonnes. Ok, nord, la vallée de la destruction. Sud, la grotte de la haine. Est, le pic de la folie. Et ouest, le chemin de la vengeance. Ah, c'était d'accord. J'avais même pas lu les quatre panneaux. Effectivement, oui, je me suis fait super rien. Mais bon, je retiens qu'il faut que les Cerbères se fassent la tronche et ça passe. Oh merde, ça bouge derrière. Oh, il y a un clébard. Je vais me faire bouffer. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai rechargé. Oh merde, c'est des corbeaux. Faut pas les exciter. Bonjour les piafs. Oh, mais c'est un cimetière! Non, tu te calmes, le corbeau. Calmos, le corbeau. Ah, c'est le monstre enchaîné qui craint pas les balles. Oh, une belle statue. C'est beau et lugubre à la fois. Une grande statue se dresse silencieuse dans la pénombre. Mais c'est dingue, ils ont abusé sur les chemins de traverse là. Attends, il y a un truc derrière l'arbre. Ouh, je joue à cache-cache. Tu peux pas me trouver. Oh mon dieu. Cette chaîne peu probable. Oh mon dieu. Oh, oh, c'est d'un glauque. Oh là là. C'est glauque de chez glauque. C'est la cabane au fond du jardin. Oui, tant que j'ai de la place dans l'inventaire, vas-y. Oui, c'est bizarre. Il y a un mur invisible, ok. Les deux conseils. Oui, Cerber QAQ, oui. Tu prends pas le petit passage? Ah non, j'ai pas vu le petit passage, non. Moi, j'ai pris la voie classique. Ah oui, cabane de jardin. Il y a du monde ici ou c'est la mort
Remarque, c'est un peu calme, mais... Ah, au moins le feu réchauffe. Ta-la-ta-ta. Mes bandages... Quoi? Des bandages ont été suspendus. Peut-être que ces taches brunes soient du sang. Oula, je préfère même pas savoir. Eh, c'est pas du kérosène, là? Non, c'est pas un truc à kérosène. Dommage. J'aurais aimé. Une carte court. La prendre? Ah oui, je veux bien. Attends. Ah ouais, il y avait un truc dans le cimetière. Il y avait une... D'accord, il y avait un truc de cimetière. Ouais, bah je finirais bien par y repasser au cimetière. Oui, ça te le pose... Oui, ça me divulgage pas. Vas-y, Torota, t'as mon feu vert. Oh, c'est une salle de sauvegarde. Un lit rudimentaire, on dirait que plus personne n'y a dormi depuis longtemps. Ah oui, c'est la pièce de derrière. Ah, joli. Et il n'y a pas de kérosène. Ah, le coffre est planqué là. Ah, pas mal. Non, ce qui serait bien, c'est qu'il faudrait que je retourne au manoir. Mais pour récupérer du... J'ai laissé plein d'herbes dans le manoir. Alors, est-ce que je me les garde? Parce que je sais que je vais y retourner quand j'aurai la clé casque. Attends. Oh, la foutue manivelle. La foutue manivelle. Oh, c'est une aventure de fou. Oh, la porte s'est ouverte. Qui est là? Oh, oh. Attends, je suis perdu, moi. Oh, j'ai vu une ombre bouger. Hein? J'ai vu des bras me... J'ai pas compris. J'ai vu des bras m'assommer, mais c'était des bras vachement blancs. Ah, c'est le monstre enchaîné. Merde. Oula, on se croirait dans Silent Hill. Ah merde. Ah non, mais non, mais non, mais non, je suis pas là pour te faire un bisou. Et oh, au secours. Comment je fais pour me barrer, moi? Ben non. Attends. Oh là 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 là, cette perspective me rend fou. Oui, mais là, je peux pas y aller, là. Non, je peux pas y aller, c'est un cul-de-sac. Oh merde! Je suis dans la merde. Voilà. Oh la vache! N'avance pas trop vite ici, car c'est un endroit précis. Tu vas déclencher quelques cinématiques rapides, mais ne cherche pas à tuer l'ennemi. Non, de toute façon, les balles lui font rien. Les balles lui font que puique, alors. Mais, alors, avant d'y retourner, je serais presque tenté d'aller chercher des soins. J'en avais laissé dans une... J'en avais laissé un peu partout. Mais en même temps... Ouais, alors si je les ai dans mes malles de sauvegarde... On sait qu'on viendra dans le premier manoir, parce qu'il y a la clé casque qui n'a pas été honorée. Et ça, ça planque des trucs. C'est obligé. C'est obligé. Ah mon dieu, ce jeu! Le jeu rend fou! Ah, attendez que je m'éclaire bien la tronche. Avec ma lampe d'appoint. Bon, ça pique un peu les yeux pour moi, mais au moins, vous me voyez clairement. Ah non, c'était pas mal comme ça. Bon, bref. Ouais, non, le simple flingue suffit. Ah, oh, si seulement je pouvais tomber sur un jerrycan.
Mais je retrouverai ma mallette là où il y a la monstre enchaînée là. La bête enchaînée. Ah, par contre, il faut peut-être que je présélectionne une arme. Parce qu'y aller à poil. Encore que. C'est vrai qu'on court beaucoup plus vite qu'on est désarmé. On va voir. On va essayer. Merde, la vue qui me rend fou. Oh non. Oh, c'est dégueulasse. Alors ça, c'est dégueulasse. À tout à l'heure, Torota. Oh non, le jeu est dégueulasse. Le jeu est infâme. C'est le couloir que j'aime pas, où il y a la terrasse avec les herbes là. Enfin, le couloir que j'aime pas. Parce que il y a le. C'est là où il y a les 4 zombies qui débarquent dans le couloir, c'est vrai. Eh bien. Là, normalement, il n'y a plus les chiens et j'ai les herbes à récupérer. Eh oui, récupérons les herbes. Ça, je m'en suis souvenu. Qu'ils me disent pas qu'il reste du kérosène. Hein. Ah non, il reste la moitié du kérosène. Non. Ah, puis je me suis séparé de ma fiole. Oh, merdoum. Mais j'étais persuadé que tous les bidons étaient vides. Barry Burton, je suis Chris Respin, putain. Bonjour, David Olive. C'est ça. Ah là 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 là. Je vais revenir avec la fiole, rien que pour le... Oh mon dieu, j'ai des appareils qui sautent, c'est scandaleux. Je suis en train de réfléchir à mes actions là. Excusez-moi. Hein. Je suis en train de réfléchir et je me dis oui, je peux faire ça.
Re fun fan. Oh, j'ai l'impression que t'as vachement vite mangé. Oh là là, je sais pas comment vous faites pour manger aussi vite. Je me permets de vous rappeler que c'est pas bon pour la santé hein, de manger trop vite. Le corps digère mal derrière. Oui, il est mort, il est mort. Ah! Passion, rangement. L'heure est venue. Ouais, tiens, avec la gourde. Je vais retourner recharger le trucuche de gourde. Il y a aussi de l'herbe sur le... Là où il y avait le pilote d'hélicoptère, là. Sur le balcon supérieur. Il faudrait que j'y aille aussi. Attends. C'est terrible de faire strictement les mêmes chemins. Parce que je sais qu'il va rien m'arriver. Normalement. Je dis bien normalement. C'est, on va dire, c'est les plus sûrs, potentiellement. Mais je les ai là. J'ai les chocottes. L'ambiance est redoutable. Un endroit précis, tu vas déclencher quelques cinématiques rapides. Il ne cherche pas à tuer l'ennemi. Ouais, on va bientôt le revivre, le coup de la cabane au fond du jardin, là. Je finis ma gestion des herbes et de mon briquet, et on y retourne. Que je puisse sauvegarder à l'autre bout avant qu'elle arrive, la miss monstre. Parce que la mémoire me revient, et je l'ai confrontée dans un autre Resident Evil, qui est Resident Evil avec le flingue sur PlayStation, que je vous ferai sûrement en direct un jour, qui est pas le Révélation, l'autre, le Chronicles... Et attendez, je suis perdu. Je voulais aller où, moi? Oui, déjà, je voulais aller... Oui, ça y est, je sais. Et c'est la fille du... Le pauvre monstre blanchâtre, c'est la fille, en fait, de l'architecte du manoir. Bah, c'est Spencer, je crois. Qui a été... Ah, c'est horrible. C'est horrible. Et c'est vrai que je crois que c'est le monstre le plus coriace, le plus abouti de toute la saga. C'est elle, en fait. C'est la fille Spencer. Elle est increvable. Lisa. Merci pour le prénom. Tu vois, j'avais pas le prénom de... Lisa Spencer. Il n'y avait pas un bidon de kérosène, ici? Non, et les plantes étaient au bout. Ah bah. Il y avait une plante. Ah bah la vache. Bon, rien ne se perd, hein, mais... Sacré détour pour une plante. Bah, elle sera rangée dans le coffre. Oula. Alors, message de fin fan. 1992. Lisa Trevor, c'est la fille de l'architecte du manoir Spencer. Ah oui, Lisa Trevor, oui. Merci. Eh ouais, c'est vrai. Et c'est elle, la malheureuse. Je voulais aller où? Je sais plus.
C'était pas de là dont je sortais? Merde, je sais plus. Ah non, 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 je me plante. Carte. Mon cerveau bug. Le manoir est tellement grand que mon cerveau bug. Ouais, mais là, je suis sur la partie supérieure, donc je vais me taper des zombies, non? Et moi, en bas, c'était où? Ah, non, je suis pas à la bonne partie du... Oui, mais c'est pas grave. J'ai qu'à retourner dans l'entrée. Parce que... Attends, j'ai... Ah mais non, mais j'ai pas rempli le kérosène. Attendez, 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 attendez. Oh là 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 là. Je confonds deux actions en même temps, ça va pas. Je vais me barrer faire la suite et j'ai pas rechargé mon kérosène. Le truc kérosène, il était... Il était en bas... Oui, j'ai tout faux. Il faut que je repasse en bas. Faut que je repasse en bas. Faut que j'arrête mes âneries, moi. Re-cocosi. Ah, la confusion est totale. Il faut que je repasse en bas. Voilà. Je vais recharger le kérosène. Oui, non, là je peux y aller. Je sais plus. Oui, dans les fenêtres, t'avais déjà. Ouais, je m'étais débarrassé des cerbères. Le kérosène, le kérosène. Faut que je crame les zombies. Mag, mag. Une chaudière, elle a rouillé en raison de l'humidité. Oui, kérosène, oui. Ah, je me sens mieux. C'est beau. Bon. Allez, on va filer dans la cabane au fond du jardin. Comme ça, dans 5 minutes, je sauvegarde si tout se passe bien. Et que le jeu me fait pas un coup vache. Oh, quand ça va être les hommes lézards, les hunters. Alors là, je vais me faire dessus. Oui. Aïe, 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 aïe. Bon, je n'aurais cesse encore de vanter la beauté graphique de ce chef-d'œuvre vidéoludique. Il nous en met plein la vue, c'est magnifique. Alors, de là où il y a les corbeaux, c'est où? Voilà. Tout doux, tout doux.
Ah, lui, il faudrait que je le flambe. J'espère qu'il va pas me poser problème. Il pose problème. Ah merde! Oh, c'est devenu un super... Oh merde. Oh non. Oh. On va retrouver le calme de la grille énigmatique où les cerbères se font la tronche. Non merde, oula, 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 non, c'est pas par là. Eh, il n'y avait pas des... Il n'y avait pas des végétaux dans la cour, là. Alors, normalement, j'ai trucidé tous les cerbères vivants. Hein, je parle pas des statues, là, pour le coup, si je prends le chemin, là. Il n'y avait pas des plantes. Mmh. Ouais, ça va être le coup de la manivelle. Et il n'y avait pas de plantes. Merde. Ouais, je vais être sûr d'avoir tout bien récolté, que j'ai ça dans le coffre à sauvegarde. C'est sous la main, c'est confort, c'est fait, c'est plus à faire. Mais hors côté monstre, la promenade est sympa. Hein. Il a vraiment une âme, ce manoir. Bon, non, j'avais déjà rincé le lieu où il était pour. Oh. Allez, la grille verrouillée. Alors, faire en sorte que les chiens se fassent la tronche. Ah bah c'est parfait. Très bien. Ah, il y a la sonnette. Bah tiens, je vais boire un coup. Donc en fait, sans le savoir, Barry parle de Larry Trevor. Non, c'est pas Larry. Lisa Trevor, pardon. Presque. Merde. Pas presque. Non, loupé. Ah, je vais y arriver. Ah non, c'est au nord alors. C'est honneur, c'est honneur. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, rentrer doucement dans la cabane au fond du jardin. Bon, déjà, il y a les corbeaux, il faut aller tout doux. Ah oui, je cours pas, c'est bien, ils s'affolent pas.
Ah. Doucement, doucement. Oh là 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 là. Ah bah là encore, oui, il y a les plantes à ramasser. Ouais, je pourrais les prendre. Regarde, je suis pas dans ma top forme. Je peux en prendre une. Je peux en prendre une. Voilà. Elle a l'air quinquée. Non, c'est rechargé. Alors, tout doux. On va y aller tout doucement. D'ailleurs, je vais être fou. Je vais même y aller désarmé. Faut que je mette la main sur le ruban encreur. Attends, je vais prendre la carte. Ouais, c'est super important d'avoir la carte. Apparemment, il y a plein de trucs qui sont grisés, il y a des trucs. Oh, le baron. Ouais, j'ai les chocottes. Eh ben, je suis heureux. Quoi? Une photo de la famille et quelques notes, ma chère Lisa. Une photo de famille. Quelqu'un a laissé un journal, 19. Papa attaché en premier, maman attaché second. Rouge et collant dedans, blanc et dur. Pas vrai maman. Ou c'est pas papa retrouvé maman. Corps attaché maman, elle bouge plus, elle crie. Pourquoi? Je veux juste être avec elle. 4. Oula, c'est encore compté. Maman, où tu me manques. Ouais, c'est terrible. Une vieille machine à écrire. Oui, on sauvegarde. Eh ben. Ah, je suis content. Bien. Sauvegarde optimisée avec... Déjà, je suis en pleine santé. Et avec ça, j'ai stocké du matos. C'est trop bien. J'ai fait le plein de soins. Ça me rassure. C'est cool. Ne pas courir, ne pas courir. Évidemment, c'est trop tentant de prendre la manivelle.
ça. Ouf. Ouais, fait pas du bien. Ah oui, elle se défend, la pauvre Lisa. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette intruse? Ah là là. Bon, on va faire le coup de la manivelle. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. Alors, un matin d'hiver. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Ça peut être la Lorraine. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Les vergers lorrains. Avec mes sabots d'ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec. Par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, avec mes sabots d'ondaine, en passant par la Lorraine, oh, avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, avec mes sabots d'ondaine, en passant par la Lorraine, oh, oh, merde. Ils vont me picorer. Oh non! Deux lignes verticales, une croix et trois horizontales. Oh merde, c'est les trucs de vent, de machin. C'est vrai, c'est un symbole. Bah oui, tu m'étonnes. Lorsque le vent balayera la terre, les étoiles brilleront. Ah, dans le firmament. Eh, j'avais la clé. La serrure, elle est là. D'accord. Je ne comprends le truc. C'est le bordel avec les corbeaux. Oh non, la géométrie, mon pire ennemi. Oula. Ah. Moi. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Alors, le coup de la manivelle. Je devrais nettoyer tout ça à l'explosif, mais où sont mes ananas? Ah, surtout panique pas. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, c'était la folie, ça c'était quand je jouais à Duke Nukem 3D. C'était l'épisode spécial, un des épisodes rares bonus de au Caraïbes, Duke Nukem au Caraïbes. Oh, c'était un boxon ce jeu, c'était génial. Un vrai défouloir. Bon, chute de la voiture s'il vous plaît. C'est la manivelle Moïse. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi pendant ce temps-là, je courais dans les bois. Ça marche aussi bien qu'une écluse. C'est bon. Vous entendez un bruit de chute d'eau au loin. Ouais, vas-y Jill, t'es la meilleure. Ah ah, the other side. De l'autre côté, qu'y a-t-il? Attends, on va peut-être pas courir, parce que si c'est pour exciter un cerbère, ça va pas le faire. Déjà qu'elle est mal en point. Waouh, c'est trop beau. Hein? Me souvenez pas d'un ascenseur. Ah ouais. D'accord, un ascenseur. Bon. Putain, la vache, il a pris la flotte des intempéries. Oui, qui est là? Putain, m'a fait peur! T'es qui? T'es qui là? Oulala, t'es qui là? Oui, qui est là? Tabarapa!
Parapara. Dum 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 dim. Ouh là là. Oh là là, qui est là? C'est pas mal. C'est pas pour me déplaire. Ah, c'est très très beau. Ah oui, oui, il y a la gestion des points, des statuts VIP, etc. Oui, pour certains sons. Ouais. Oh merde! Oula! Ah, pardon. Eh ben dis donc, Lisa Trevor, elle donne des patates de forain pire que les... Ouah, elle est dangereuse. Attends, on voit un oiseau en statue, un aigle royal en, au loin. Oui, merci. Honneur au vôtre. Vos souhaits à vous d'abord. Les noms ont été exaucés, c'est merveilleux. Non! Non, au secours. Ah, attends, il y a un truc là. Ah oui, c'est le truc de la batterie. La batterie a été retirée. Waouh, c'était trop bien fait. Non, les corbeaux vont me... Vous me picorez, au secours, c'est un hommage à Hitchcock. Les oiseaux. Ah, ça y est. Ah. Bon, arrêtez l'hommage à Hitchcock. C'est horrible. Passage. Oh, j'aime pas le... Oh là là, le passage d'eau. Il peut y avoir des merdes dans le truc au niveau du passage d'eau. Non, il y a des serpents, quelle horreur. Oh là là, il y en a 50 milliards. Au secours. C'est pire qu'un truc à la Tomb Raider ou Indiana Jones. Ouvre-moi la porte. Sinon je hurle. Oh, ce plan. C'est une fenêtre ou c'est une porte? Non, c'est une fenêtre. Ah. Une plante anti-poison. Ah, des plantes anti-poison. Attends, je vais peut-être pas me surcharger, là. Ouh là là, je vais peut-être pas me surcharger. Bah. Attends, je mets le chapeau différemment parce qu'il est en train de me bouffer le... Il serre un peu et il me fait mal au crâne le chapeau. Faudra que je dépose la manivelle avant de prendre des trucs. Mais ouais, ça ressemble au premier là, je reconnais les lieux. C'est une salle de sauvegarde. Waouh. Ah, il y a un bidon de kérosène. C'est apprécié, d'accord. Je peux ranger. Ah oui, il y a la machine à écrire et OK. Ah oh, bah je sais ce qu'il me reste à faire. Hop, la manivelle. Alors, je vais vous faire un aveu. Attendez. Je vous laisse dans la belle scène là pendant une minute. En fait, je suis en train de me faire cuire mes 3 kilos de pommes de terre depuis la pause déjeuner. Et là, il s'est passé une heure. Donc je vais pointer les pommes de terre si dans la marmite elles ont bien cuites. Ah. Aïe, 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 aïe. Moi je pars avec les écouteurs. Ah, il y a trop de câbles. Eh, hey, je repassais à la lumière artificielle, là, il fait trop sourd. Il fait trop sombre. J'arrive. Ouais, j'ai bien fait. Ok, je vais repasser à la lumière artificielle, ce sera mieux. Ah, c'est un temps hivernal sur Nancy, donc on voit que puique.
foire non plus parce que ça va me flinguer les yeux. Ah. Ah. Ah bah tiens, je peux ranger la lumière d'appoint. A plus besoin de la lumière d'appoint. Da-di-da-da. J'allais pouvoir me voir en train de faire mon sagouin. Da-di-da-da. Bon bref. Chanson totalement improvisée. Oh. La magie de Noël. C'est dommage qu'il serre trop ce... Bon, faut dire aussi j'ai un gros crâne de base, mais... Il me donne vite la migraine, il me coupe le sang. Il est chiant, le beau chapeau. Alors, oula, il y a plein de trucs à gérer, là. René Yonnet. Une Holden Monaro. Ah, c'est un modèle australien. Holden Monaro. C'est une voiture... je crois que c'est une berline. Si je dis pas de bêtises, à vérifier. Ouais, là, il y a machine à écrire. Oh là, oh là, oh là, on se calme. Je vais aller par là. Non, il n'y a rien. Attends, je vais ranger ça. Je vais récupérer les... les plantes dans le couloir. Au moins, ce sera rangé avant sauvegarde. Merci pour la bagnole. Ça va. Hop là. On va faire un petit peu de rangement. C'est offert par la maison. Bon, bah c'est bien. Je progresse bien. Oh, qu'est-ce que je fais? J'hésite. Je re-sauvegarde là. J'essaye de prendre des objets dans les pièces alentour. Dès que je vois un danger, je rebrouche chemin. Attends. Elle est dans quel état, Jill? Ah, elle est pas au top de sa forme. Allez, petite prise de risque. Je vais essayer d'écumer les lieux avant de... Par contre, je peux jouer la sécurité et prendre le fusil d'assaut. Là, maintenant, je vais avoir de ces bestioles. Preview version 14. Oh là là, je reviendrai dans une petite heure. Ah, il dit quand il reprend le service. Ah bah, falloir revenir à l'heure du coup de Funfan pour Wisebot. Il sera à nouveau dispo à 16h30. Là en face, il y a quoi? C'est verrouillé. Le chiffre 01001 est inscrit sur la plaque de la porte. Ah oui. Ah puis, il y a une histoire de guêpe aussi, je crois. Ouais, faut mettre la caisse au niveau du trou parce qu'il y a la plante qui te chope.
Ouais, ça me parle. Ah, la cochonnerie de plante. Là, venir un gros trou. Ah merde, oui, attends, il y a un gros trou. Ça va pas. Ça va me bouffer à chaque fois. Attends. Oui, mais là, elle peut pas. Si. Ah, comme ça. Merde, j'ai mal lu le plancher. Je me suis fait avoir comme un bleu. J'ai vu que le premier petit trou et pas le grand. Il n'y a rien d'intéressant ici. Oh, bizarre, c'est installé presque comme un... Oh, ça, je m'en souviens plus. Il y a des journaux qui traînent, ils parlent tous du Stars. Ah oui, l'équipe à laquelle elle appartient. Attendez, pardon, j'ai un petit souci d'ordre, envie de me moucher. J'ai des sinus qui me bouffent et c'est pas bon. Pourquoi j'ai pas de mouchoir? Normalement, j'ai toujours des mouchoirs auprès de moi, là je les vois pas. Alors attendez, pause dans l'action, je suis navré, mais... Merdoum. Oui, bon là c'est ma lotion... Oh, faut que je me lève pour aller chercher des mouchoirs. J'en ai pas dans mon bazar. Non, j'en vois pas vu dans mon tiroir transparent. Attendez, pardon, faut absolument que je me mouche. Bah, moi, je me moucherai hors caméra. Pour mon confort et le vôtre aussi, j'arrive. Oh, merde. Voilà. Pardon, je me sens déjà mieux. Touk. Je remets ça pour être dans l'ambiance. Ah merde, j'ai perdu mon chapeau. Ah merde, il est tombé hors de portée. Bon bah tant pis. Je l'ai pas ramassé. Bon bah au moins il me fera plus mal au crâne. Je remettrai un autre chapeau plus tard. Là. Alors là, il y a une porte. C'est quoi? Il y a un truc qui brille en face. Ah, 02. Ah, c'est quoi le message? Une carte résidence. Ah bah oui. Oh la vache. Ah oui, j'ai un vague souvenir. J'ai un vague souvenir de... Ouais, à quoi ça correspond? Ouais, vous avez pris la carte résidence. Il y a un trou dans le mur. Vous voyez une gigantesque ruche. Oh merde. Oh merde, j'aurais pas dû prendre la carte. Ah merdoum. Ah. Ah, en fait, quand tu connais le jeu, tu retires pas la carte et tu t'arranges pour aller dans la salle de la ruche et la flamber. Ah bah oui, mais... C'est violent. Oh merde, alors. Oui, ça, c'est quoi? Ah bah, c'est pas la plante. Je crois que je vais regretter de pas avoir sauvegardé. Ah, bien fait pour ma gueule. C'est... Ah!
Ami arachnophobe, bonjour. Ah oh la vache. La sauvegarde, c'était là, je crois. Hein. Waouh. Oh là là. Bon, elle est dans quel état? Elle est dans le mal-mal? Ah oui, elle est dans le mal-mal. Oui, elle va crever. Autant prendre un... Autant prendre un spray, et puis... Pff, on n'en parle plus. Allez, hop. Ah oui, alors... Ah oui, tu peux. Ouf. Oui, oui, oui. Bon, bah, il y a du boulot. Ouais. Vas-y. Ah oui, je bois un coup. Ah oui, que je dépose les rubans encreurs. Bon là, j'ai presque envie de dire je peux tout oser, comme j'ai sauvegardé, il n'y a plus grand chose à perdre. Redoutable. Redoutable. J'ai déjà pu. Ah oui, c'est verrouillé en face. Ouais. Mais je peux pas décaler le l'autre caisse. Y a pas un truc à faire. Ah, attends. Attends. Faut procéder dans le bon ordre. Attends. Je peux pas y aller? Bah! Je peux pas pousser l'autre caisse? Sérieux? Attends. Mais non! De toute façon, y a rien. On est d'accord, y a rien. Ah non, tu peux pas la pousser. Ah merde. Bah, je suis obligé de me faire avoir à chaque fois dans un sens. Non, ah bah non, là elle est partout là. Dur, vraiment dur. Alors si je marche doucement, les abeilles sont de retour ou pas? Ah, elles sont là, merde. Elles sont là. C'est verrouillé. La plaque de la porte indique galerie. Alors, je vais aller à 002.
J'espère que les guêpes ou abeilles n'empoisonnent pas. Jill. Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Talking to yourself? You all right? What's gotten into you? I'm getting you worried, aren't I? But don't, I'm all right. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, maybe I'll go outside, get some fresh air for a change. Don't worry, I'm just going to get some fresh air. If I'm lucky, I'll get to waste some monsters along the way. Chacun son passe-temps. Alors, rapport sur la plante 42. 4 jours se sont écoulés depuis l'accident. La plante 42 a connu une croissance fulgurante. Bien que l'on sache peu de choses sur cette plante, on peut dire que le virus T a eu sur elle un effet beaucoup plus important que sur les autres groupes de plantes. Le virus T a totalement transformé l'anatomie et la taille de son hôte. Compte tenu de son état actuel, il est difficile de savoir de quelle sorte de plante il s'agissait à l'origine. On ne trouve rien de semblable dans la nature. La plante 42 se nourrit de deux façons. Sa première source d'alimentation provient de ses racines, qui vont jusqu'au sous-sol. Immédiatement après l'accident, l'un des scientifiques a perdu la tête et a détruit le bassin circulaire. Maintenant, le sous-sol est inondé. Il y a de grandes chances pour que l'eau ait contenu une substance chimique qui a provoqué la formidable croissance de la plante 42. Nous devons cependant déterminer de quel composant il s'agissait. Une sorte de bulbe, le corps de la plante 42, pend du plafond du rez-de-chaussée. Il ne fait aucun doute qu'elle atteint le rez-de-chaussée par les conduits d'aération. De longues lianes ressemblant à des tentacules partent du bulbe. Nous pensons que ces lianes constituent la seconde méthode d'alimentation de la plante. Lorsque la plante 42 détecte une proie, elle la capture à l'aide de ses tentacules. Ensuite, les ventouses de lianes sucent le sang de la proie. Nous nous sommes également aperçus qu'elle est douée d'une forme d'intelligence. Elle enchevêtre ses lianes autour de la porte pour empêcher toute intrusion lorsqu'elle capture une proie ou qu'elle est en période d'inactivité. Malheureusement, plusieurs scientifiques ont été tués par la plante 42. Les survivants racontent tous la même chose. Lorsque les pétales uniformes qui la recouvrent s'ouvrent et révèlent ses organes vitaux, la plante devient encore plus agressive. Un témoin a raconté qu'elle semblait essayer de se protéger. Nous ne savons pas à quoi est dû ce comportement. Le 21 mai 1998, Henry Sarton. Eh ben dis donc, il y a une nouvelle variante de la plante 42, vache. Il y a de vieux journaux et magazines. Sur le lit, on dirait que quelqu'un a vomi du sang sur certains journaux. C'est dégueulasse. Ah, my dieu, merde. On peut pousser les... Mais j'ai pas poussé dans le bon sens. Oula. Ah oui, il y a l'échelle à la noix là. Tu peux pas pousser comme ça? Ah non. D'accord. Oh, chapeau de cow-boy. Il n'y a rien de spécial. Mais si, il y a un chapeau de cow-boy, tu pourrais t'en coiffer. Il y a une échelle, descendre. Non, prendre des photos du dessus. Ah là là. Oh, le sérieux démarre. Alors là, les couloirs bétonnés avec des codes au sol. Le sérieux démarre au niveau des... C'est les labos. C'est les labos. Oh la vache. Ah oui, il y a le coup des trois caisses et du... Ouais. Bon, avant ça, on a le droit à une salle avec une porte. La porte est verrouillée de l'autre côté. Merde. Ah, puis on l'a vu dans la démo, là. Il y a les requins.
Jill, passion, poussage de pièces en bois. Et voilà. Ah. J'ai de la bonne. Oh, waouh. Waouh, magnifique. Waouh, la gestion de la vapeur, de la lumière et de l'eau. Tous les effets additionnés, effets spéciaux, ça en jette. Ah, c'est... Waouh, waouh, waouh. Hein ? Je me souvenais pas d'une pièce circulaire. Dans ma mémoire, c'était rectangulaire. Non, mais... Oh non! C'est verrouillé. Les mots sale haute tension sont inscrits sur la porte. Non, bah la tension, c'est moi qui l'ai. Faut arrêter. Attends. Ah, c'est une porte, ça. Square room. J'ai lu square room sur l'étiquette. Pièce carrée. Quoi? Oh, merde. Rien ne va. Ouah, c'est pire que dans Raft. Non, bah non, oui, non, on va pas aller dans le bassin. Au secours, elle va mourir. Attends, je suis pas allé par là-bas, je crois. Oui, c'est verrouillé, mais déverrouillez-moi ce bordel. Il fait peur. Il fait très très peur, le machin. Oh là là, mais quelle horreur. En fait, j'ai rien à y faire, là. Ou au moins d'y aller à l'arme lourde contre la plante dans le petit local, mais... non, mais c'est l'enfer. Faut que je me fasse la plante avec le fusil. Bon, on reviendra le cas échéant, mais... à mon avis, je prendrai le truc incendiaire pour flamber la plante, quoique mi-aquatique. Ah, je me disais que j'entendais du bruit. Et merde. Non. Très mauvaise idée. Je croyais que je manipulais ma... Voilà, la gourde pleine de kérosène. Évidemment.
Merci. Oh, on n'a pas pu. Oh, bah non, oui, non, j'allais dire, on peut le voir flamber et puis recharger en même temps. Voilà, là, c'est la classe. Resident Evil, c'est du tout cuit. C'est dégueulasse. Ah, mais il y a une pièce à côté. Ah oui, il y a une petite salle de bain, normalement. Mais oui, c'est une chambre super équipée. Une chambre individuelle. Non, il y a un truc dans la baignoire, c'est ça? Allez, l'eau. Non, même pas. Ouais, bien, baignoire, chiotte, tout, très bien. Clé de la résidence. Attends. Attends. Ah! Merci. La 01. Enfin, la double 01. Je préfère ça. Oh, la qualité, elle est remarquable. Ah, merde. Oubliez-moi, je ne suis pas abutiné, je ne suis pas une menace. Ah, quand je l'aurai crevé la plante, je vais être content. La vilaine bait. La salle 001, elle est où déjà? Non, c'est pas là. Une bombe de pesticides pour les fleurs, apparemment elle est vide. Ouais, dommage. Dommage. Voilà, c'est la clé. Oui, jette la clé. La 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 la. Oh merde. C'est quoi qui bouge? La suggestion est parfaite. On dirait un ronronnement. Je ne dis pas. Oh, quelle horreur. C'était en combien de lettres? C'est glauque. Il a perdu au jeu du pendu. Est-ce que je peux le flamber? Et là, je fous le feu à la résidence. Waouh, cette vue, c'est horrible. Bienvenue dans les contes de la crypte. J'ai trouvé une vieille bibliothèque. Il y a surtout des livres de littérature et de philosophie. Quoi? Un pistolet d'autodéfense. Si tu veux. Lettre de suicide. Joie. 22 juin 98. Je n'avais pas le choix. Nous avons essayé d'échapper à ces monstres en nous serrant les coudes pour survivre. Mais Robert commençait à présenter les symptômes. Je n'avais pas le choix. Ces créatures sont l'œuvre du diable. Il n'y avait pas d'autre issue. Il aurait fait la même chose à ma place. J'ai mis fin à ses souffrances et j'ai dû l'abandonner dans la salle de bain. Je suis sans doute le dernier maintenant. Comment une telle chose a pu-t-elle arriver? Je ne me pardonnerai jamais d'avoir fait partie de ce projet, mais je sais ce qui m'attend. Il n'y a aucun moyen de s'échapper de cette maison de fous. Ce n'est plus qu'une question de temps. Tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à rassembler le courage nécessaire pour passer à l'acte. Le plus dur est de penser à tout ce que je n'ai pas eu le temps d'accomplir. Mais je préfère encore mourir que de devenir l'une de ces créatures. J'espère que tu comprendras, je veux mourir dignement. Il y a un message au dos. Linda, pardonne-moi. Oh, Linda de Souza. Oh mon dieu, c'est d'un glauque. Le lit a visiblement été utilisé. Oui, ben. Oui, munitions de pistolet. Mais je vais crever. Alors, attends, pourquoi ce... Examinons ce pistolet énigmatique. Ah, il y a un truc écrit.
Ah, une arme d'autodéfense tirant des balles de 22 magnums. Un coup a déjà été tiré. D'accord. Ok. Mais il y a un truc décrit sur l'arme. Là, comme ça. Ah ouais, 22 magnum, double Dillinger. C'est un Dillinger. It's a Dillinger. Oula. Bah, monsieur. Allez, zappons tout ça, Burke. Attends, non, l'armoire, je peux pas interagir avec, c'est vrai. Oui, bah l'autre, il est dans la salle de bain juste à côté, non? Si j'arrive à m'orienter. Il doit être là. Ah oui, l'autre malheureux, il est dans la salle de bain, mais il s'est zombifié. C'est rempli d'eau sale. Videz la baignoire. Allez, soyons fous. Ah, mais c'est lui le zombie, il est au sol. Il y a quelque chose dans la baignoire. Ah, salle de contrôle. Ah, bah c'est le coup du requin. Voilà, je voulais le flamber et j'ai pas le temps. Non. Refusé. David Olive. Ah, j'ai un point de côté. J'aurais pas dû prendre du rap de Fayot. Oulala. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il est malin, il sort ou pas? Oh, Jean-Michel Caméra! C'est la faute à Jean-Michel Caméra. Non, mais elle va y rester, la malheureuse. Ah bah oui, elle va y rester, là. Mais non, mais passe-le! Oh! Le jeu qui t'interdit d'enjamber un zombie qui se relève. Bon, on a vu que dans ma découverte, j'ai pas fait les trucs dans le bon ordre. J'ai pas fait les trucs dans le bon ordre. Ah, allez, dernière tentative, et puis après je passe à un autre jeu, parce que ça fait... Ah, ça va faire 2 heures de Resident Evil. Ça va faire 2 heures de Resident Evil. C'est beau! C'est la magie de Noël. Vous n'aimerez peut-être pas de peur, mais... Oh. Je prends tout de suite le lance-grenade. Ouais, le lance-grenade était plus approprié, mais avec des grenades de flamme. À voir. Mmh. Donc du coup, dans le bon ordre, ça donne quoi? C'est vrai qu'il y a la salle avec les grosses araignées aussi. C'est vrai. J'ai pas fait la double porte. Yoar tendre et croustillante, zombie anonyme, ouais. Oui, elle est à croquer, oui. Oh merde, c'est guêpe. Oui, alors ça, c'est le coup de la galerie. Et c'est où qu'il fallait aller? Oui, bon, on a vu la scénette, je vous zappe le truc. On a vu la scénette. Mais c'est pas par là qu'il faut que j'aille d'abord. Donc là, il y a le document.
Blablabla. Quitter. Oui, alors, j'irai plus tard en bas, quand j'aurai la clé de la salle de contrôle, effectivement. Parce que là, j'ai pas... oui, c'est là qu'on a accès à la salle de bain. Alors, il n'y a rien dans la salle de bain. Oui, ici, c'est plutôt gentil. Oui, donc c'est la 01. On lui fait prendre conscience en examinant la pièce. Que... c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de jeux du genre, je me dis. Il y a... ça mériterait presque d'être un style à part, le Resident Evil. Enfin, j'aime bien l'idée de tu cherches des objets dans des pièces, il faut les manipuler pour avoir des révélations de code de pièces de puzzle à assembler toi-même. Ah, gaga. Au revoir, monsieur. Qui n'en est plus un, vu son état, c'est horrible. Ah merde, c'est les guêpes. Oh la con, je vais carrément dans le nid, moi. Nyaaah! Attends, je suis pas allé à l'opposé. Ah bah non, c'est le... attends. Ah oui, non, d'accord, j'ai mal lu le dessin du... des lieux. Brrr. On flippait. Oh, coucou, Dragon Sky! Alors, t'as réussi à faire ta popote à près d'un quintal de marchandises, là, ou... si j'y vais tout doux... ah non, elle me choque. Elle me choque quand même, la vilaine. Ouais, elle m'a fait bobo. Elle m'a fait bobo. Elle m'a fait bobo. Fini ma journée. Yeah. T'es bien, tu vas pouvoir te reposer. Voilà pourquoi je trouve pas d'abeilles sur Arc. Elles sont la loi. Non, elles sont là, lol. Ah, pardon, je t'ai mal lu. Ah oui, le pendu. Le pendu qui se décroche, du coup, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est pas drôle. La vieille bibliothèque. Alors, il y a plein de trucs. Ouais, je vais le prendre et puis je vais le ranger. Ouais. Oui, la lettre de suicide. Linda de Souza, Linda, pardonne-moi. Ah. Linda, t'en fais pas. Linda, je crois même que c'est le nom d'une pizza. Ah! Munition pour pistolet. Ah oui, mais je peux pas ignorer la salle de bain, puisque... puisqu'il me faut la clé. Là, si je fais ça... oui, c'est l'autre qui s'est détaché, ça. C'est bon, je comprends le son, il s'est entendu, c'est... hop là... hop. Vider la baignoire... la 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 la. On est d'accord qu'il n'y a rien au niveau de la... un miroir parfaitement poli. Non, je ne veux pas aller aux toilettes. Oui, il n'a pas tout ça coulé dans le papier toilette. Oui, bon, voilà. Oui, chiffon. Catch, pardon. Ah bah, je me barre. Le zombie est pas au mauvais endroit. Pas au bon endroit. Il va rester dans sa chambre. Alors. Réfléchissons. Parce que là, je gère plutôt pas mal. Je gère plutôt pas mal la situation.
Alors, examiner. Clé permet d'entrer dans la salle de contrôle, ouais. Bon. Non, ça, pas plus. Ouais, bah je vais remplir de... Ah, il y a encore plein de kérosène. Non, je l'ai pas vidé la gourde, je vais pas... Mais on peut prendre le temps de la réflexion à la lumière. Je réfléchis. Je réfléchis parce que... Salle de contrôle. Il faut que je tente d'aller au niveau de la plante. La plante, à mon avis, je vais l'attaquer avec le gros truc à flamme, là, à explosif. Ça va être sport. Elle est dans quel état? Elle est bien. Oh, si je fais pas l'idiot, je la gère. Je la gère bien. Si je fais pas l'idiot. Je vais aller dans le truc au requin. Ah oui, tiens, elles étaient sur le mur, hein, les guêpes. Ah merde. Et là, il va me dire qu'il veut pas flamber. Alors attends, je recharge déjà. Ah si. Ah cool. Génial. Il flambe. Est-ce que je peux pas inverser? Ah non, celle-là, elle est trop lourde pour être poussée comme elle le fait là. Ouais, non, il y a que comme ça que tu peux... Voilà. Déverrouiller la zone. Ouais, on va aller au bac au requin. On va gérer les fameuses trois caisses. Et normalement, j'ai la clé pour me vautrer dans la salle de contrôle, là où il y a le Neptune, là, le super requin qui fait flipper. Alors, doucement. Parce qu'il ne faut pas que je me bloque et que je les mette dans l'ordre. Bon là, les gentillettes, c'est presque une non-énigme. Ah, oui. Katz, tu as raison. J'ai plaisir de savourer d'ailleurs, pour les fêtes, je me suis acheté une bouteille de sirop d'orgeat, ou du sirop d'amande, si vous préférez. J'aime beaucoup l'amande. Ah oui, 16h. Ah bah tu vas être content, Funfan. Dans une demi-heure, tu vas pouvoir refaire mes muses avec Wisebot. Courage, encore une demi-heure à tenir. Avec le Wisebot. Bah oui, je vais libérer une case avec la clé de contrôle qui va sauter là. Oh, magnifique. L'intro du bassin, franchement, elle m'a bluffé d'entrée de jeu, elle est superbe. Allez, on n'a pas le temps de prendre des photos, il faut se barrer. Oui, on l'a vu, c'est horrible.
Vite. Allez, la foutue salle de contrôle. Oui, j'ai utilisé la clé salle de contrôle. J'en ai plus besoin, jette-la et ouvre. Ouais, puis, que d'eau, comme l'aurait dit notre ancien président MacMahon. Enfin, ça, c'était dans la 4e ou 3e République. Oh la vache. Le voyant lumineux d'avertissement indique une urgence. C'est quoi ce fût? Oh là, il y a une échelle. Oh là, je descends dans les ténèbres. Y a rien d'autre? D'accord, y a rien d'autre. Bon. Obligé d'aller là. Vertigineux, on peut le dire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh mon dieu. Ne me dis pas quoi. Oh là là. On voit le squal. Un volet de protection contre la pression. Oui, bah heureusement. Les commandes du système principal, tout semble en état de marche. Message de Fun Fan, 1992. Un peu de culture. Il n'y a eu que deux présidents dans l'histoire de la 4e République, dans cet ordre, Vincent Auriol et René Coty. Ah, merci d'avoir révisé, nous avoir fait réviser l'histoire de France. Donc, oui, 3e République pour MacMahon. Merci, Fun Fan. Tiens, on dirait qu'il y a une brèche dans le mur. Ah, vous voyez à gauche, au-dessus de l'écran lumineux, on dirait qu'il y a une brèche. On se croyait justement dans Duke Nukem 3D, un coup de roquette à lancer là-dedans et boum, on ouvre un passage. Alors attention, en cas de chute de la pression de l'huile, ouvrir la valve 3. Ouais. Une carte bassin circulaire. Eh bah oui, il n'y a pas des guêpes derrière. Wouah. Ah, la porte verrouillée donnerait un accès inférieur avec une échelle. Tiens. Oh la vache. Vous avez pris la carte bassin circulaire. Waouh. Ah, l'atmosphère, elle est folle. C'est pas un ruban encreur, là? Ah non, c'est une canette de soda. Dommage. Oui. Chute d'huile. Enfin, chute de pression d'huile. Valve 3. Oh, j'ai une trousse de. D'accord. Oui. On va pas dire non. Ah, c'est ça. Un régulateur de pression. Inutile de régler la pression pour l'instant. Ok. Quoi? La porte ne peut pas s'ouvrir qu'à l'eau ferait pression. Ah ouais. Un régulateur de pression de l'eau. Inutile de réguler la pression pour l'instant. Ah bon? Alors le truc à retenir, c'est la pression de l'huile baisse, il faut valve 3. Ouais, voilà. Si l'huile, la pression de l'huile est trop basse, il faut ouvrir la valve 3. Donc ça doit être la valve à huile, la troisième. Oh là 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 là, il y a de ces trucs. Un message d'erreur est affiché. Il y a un problème lors de l'évacuation de l'eau. Il y a un bouton pour évacuer l'eau. Appuyez dessus. Ah bah oui, on va foutre la merde. Allons-y.
Emergency, emergency. Unknown source of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Voilà. Alors. Oui. Comment ça, inutile? Mais non, mais l'autre, il va arriver sur moi. Oh là là. La porte semble verrouillée par un mécanisme de sécurité. Mon vieux, d'abord s'occuper du mécanisme. Non! Je vais faire des conneries. Activate emergency drainage system immediately. Je vais crever comme un caca. Attends, comment je gère le truc, moi? Il y a un levier de contrôle pour le levier de pression. Tant que la sécurité ne sera pas débloquée, vous ne pourrez pas actionner le levier. Ah merde. Je peux faire quoi d'autre? Au secours! On ne panique pas. Reaching 70% of pressure threshold. Bon, impossible de reprendre le contrôle. Le volet anti-pression est verrouillé. Débloquer la sécurité. Oui. Oui. Merci. Oui. Vas-y, actionnez. Perte de pression de l'huile. Interruption de la procédure. Utilisation du volet. Rétablir la pression de l'huile pour débloquer la sécurité. Reaching 90% of pressure threshold. Waouh! Ça va exploser, vite! Oui, contrôle les valves de pression de l'huile. Appuyez sur quel bouton? Bah sur 3, il n'y a pas assez d'huile. Mets dans l'huile là! Écoute, petit homme, dans la vie, il faut que ça glisse. Reaching 95% of pressure threshold. Attends. Oui, débloque la sécurité. A été débloqué. All personnel, prepare for impact. Mais non, il n'y aura pas d'impact. On l'actionne. Voilà. Pourquoi il fait pas l'autre côté? Ah, merci. C'est comme ça qu'on fait. Je les ai là. Bon, l'ambiance discothèque, vous pouvez l'arrêter. Oh, Midoum. Oh mon dieu. Les portes sont verrouillées par un mécanisme. Vaut mieux d'abord s'occuper du mécanisme. Ah, tu en es là. Attention, faut pas tuer le mégalodon. Je viendrai le chercher. Je reviendrai le chercher. Ouais, projet Neptune, je crois. C'est le moment, mais trahis pas. S'ouvrir car l'eau fait pression. Ah merde. Merde. Alarme. Ah, je fais quoi maintenant, moi? Sécurité a été débloquée. Vous devrez maintenant la faire fonctionner manuellement. Ok. Alors, sécurité a été débloquée. Appuyez sur le bouton d'évacuation. Oui, allez, vide l'eau. L'eau a été complètement évacuée. Magnifique. Ça me va. D'ailleurs, on va laisser les volets de sécurité baisser. Parce que j'aurais pas que le requin se mette à sauter comme une sauterelle et me... Alors là, maintenant, il n'y a plus d'eau, normalement. Ah, la suite de notre aventure de fou. Oh la vache. Ah ouais, l'endroit a été rincé. Et ne me dis pas qu'il y a d'autres créatures amphibies, hein. Parce que sous une telle pression, s'il y a eu des monstres... Oh le bordel. Le bordel est immense.
Oui, je peux plus porter quoi que ce soit, je suis d'accord. Mais des boîtes de dynamite, elles sont trempées et inutilisables. Je crois que je peux m'en réjouir. Parce que si en plus cet endroit devient une poudrière. Ouh. Waouh, c'est beau et effrayant à la fois. Attends, c'est quoi? C'est la partie basse du bassin? J'approche pas. Je n'approche pas. Tant que j'ai pas sauvegardé, je n'approche pas. C'est hors de question. Access denied. Accès refusé. Et là, cette grille, elle m'est accessible ou pas? Ah oui. Journée porte ouverte, allons-y. Ou pas. Non, c'est une autre salle de sauvegarde? Oh, c'est une histoire de fusible, ça. C'est pas du tout ça, c'est un chargeur de... J'allais dire de snipe. De Magnum. Waouh. Les objets forment un tas compact, cet endroit ressemble à un dépotoir. Ouais. Mon dieu. Ah, ça doit être la porte à déverrouiller au niveau du corridor des... Mon dieu, mais quelle horreur. Oui, c'est ça. C'est la porte corridor. Vous avez déverrouillé la porte. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Donc c'est bien, je vais pouvoir remonter à la salle de sauvegarde et puis... On fera la suite une autre fois, parce que là j'ai eu ma dose de... Attends, faut pas trop que je cours, parce que s'il y a une cochonnerie qui me saute dessus... Oui, monter à l'échelle. Dring, 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 dring. A plus zombie. A plus zombie. Il n'y a plus de zombies. À partir de cet instant, je fuis. Oula, j'ai chaud. Amen. C'est tout ce que j'ai déclaré. Oh! Puis la plante de mes deux qui va m'agresser, là. Attends, j'ai passé vraiment... Oh, elle va réussir à me choper, la vilaine. Eh oui, elle me chope. Ouais, je vais me faire un super giga désherbant. On n'en parlera plus. Eh, j'ai bien joué aujourd'hui. Je suis content. Resident Evil, là, j'ai grave avancé. J'ai grave avancé. C'est cool. Ah ouais. Trop bien. Alors du coup, bah je me suis pas servi de ça encore, je suis pas allé dans la pièce où il y avait le végétal. J'irai une autre fois. Ouais, trousse de soins, là il y a ça. Je vais prendre les rubans encreurs, mais avant il faut que je recharge ma gourde de kérosène. Ce sera plus à faire. Et cela me plaît. Oui, plein de kérosène. Oui, remplir la gourde. Oh oui, je suis un homme heureux. Et Jill Valentine aussi, elle va pouvoir sauver sa peau. Sauvegardons. Oui, utiliser un ruban encreur. Ah là 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 là. Et là, elle écrit la lettre de sauvegarde en lettres de sang. Ah, ce jeu rend fou. Ce jeu rend fou. Rah. Moi le dis, moi.
Ah, est-ce que je reste ouvert sur le fait de vous laisser le choix du jeu que je vais faire, parce que il y en a plusieurs qui me font envie. Attendez voir. J'ai une jolie pile de jeux PS3 sous la main. Oh la vache. Oh la poussière, honte à moi. Ah bah non, ça c'est des... Ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. Et j'ai... Ah, mais c'est de la PS2, le Paris-Dakar Rally. Oui, bah non, c'est pas pour maintenant. Non, sinon, oui, sinon j'avais le Dirt. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je peux faire pas mal de trucs. Attendez voir, je vais vous remettre déjà ma tronche en gros plan. La manette, elle va aller là. J'espère qu'elle peut ne pas tomber. Il y a juste la place pour la manette. Wouh! Waouh, waouh, waouh! Ça rend tout fou, ça rend tout fou. Attendez, je vais vous faire une proposition de vote, je crois. Il reste que... Il faut que je gère le... Voilà.